Bonsoir à tous. Ce soir, nous prenons le bateau et nous partons du côté de Terre de Haut-les-Saintes. Nous avons deux invités en plateau, Louli Bonbon, qui est le maire sortant, et Hilaire Brudet. Logiquement, sur cette commune, il y a, selon les dires, cinq candidats. Donc, vous avez Angèle Molinier, vous avez aussi Ginette Samson-Jean-Charles. Tous deux ont été invités à ce débat. Et Olivier Déhaire, qui s'est déclaré tardivement, étant actuellement hors du département. Voilà pour cette commune de Terre de Haut-les-Saintes. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Boissier. Permettez que je puisse revenir sur les élections de 2014 où Louis Molinier avait eu 58,29% des voix et Hilaire Brudet 41,70%. Alors, il faut savoir qu'à Terre de Haut, il y avait vraiment un engouement pour ces élections parce qu'il y a eu plus de 90% de votants. Et avec une abstention très très faible, 8,46%. Donc, une commune où il y a eu cet engouement et où l'abstention n'a pas été reine. Ce soir, messieurs, vous avez donc la possibilité de débattre ensemble, vous avez la possibilité d'afficher vos convictions, mais aussi d'afficher vos ambitions pour la commune de Terre de Haut. Et je vais débuter avec vous, Louli Bonbon. Puisque vous avez remplacé Louis Molinier, on sait ce qui s'est passé, qui a été touché par des affaires. Alors, à Terre de Haut, la situation est quand même un petit peu particulière, puisque on s'attendait à ce que Louis Molinier puisse être à vos côtés dans ce combat. Et il dit soutenir Madame Samson. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ben je dis bonsoir déjà aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de la Guadeloupe et singulièrement mes chers compatriotes saintois qui nous regardent ce soir. Oui, votre question est une bonne question et s'il me plaît aussi d'y répondre et en toute transparence. En 2014, M. Molinier m'a sollicité effectivement pour venir sur sa liste. Et donc j'ai accepté de contribuer, d'apporter ma modeste contribution au travail colossal qu'il y avait à faire au niveau de notre commune. Et au début, j'ai envie de dire que ça se passait très bien. Sauf que je suis aussi quelqu'un qui reste objectif dans les choix à opérer. Et j'ai tout de suite, d'emblée, manifesté mon intérêt à vouloir m'impliquer totalement dans le redressement budgétaire de la commune. Car faut-il le rappeler, en 2014, lors des dernières élections, l'opposition, représentée ici par mon ami Hilaire, a décrié avec force. La tête de liste, notre tête de liste de l'époque, eu égard à sa gestion calamiteuse des années passées. Et donc, il était pour moi capital de fixer comme objectif prioritaire le redressement de la collectivité. Donc, très tôt, j'ai affiché auprès de M. Molinier. Mon total, je dirais, ma totale implication dans l'exécution budgétaire. Et je me suis vite aperçu que ça gênait. Donc, au début, ça allait, mais je crois qu'au fur et à mesure, je commençais à poser des questions qui dérangeaient. Donc, les choses se sont un peu dégradées. Et lorsque, pour arriver à 2018, où il a été démis d'office, je n'étais plus, je dirais, dans. Vous étiez dans la minorité? J'étais pas dans la minorité, mais j'étais écarté, je dirais, des réunions privées, on va dire comme ça. Je n'étais plus invité à ces réunions privées. Et naturellement, je n'étais pas
son candidat pour le remplacement. Je crois que c'est la mobilisation des collègues du conseil municipal qui l'a fortement obligé en fait à m'inviter le fameux soir où il fallait décider du remplaçant. Et c'est bien entendu, j'ai envie de dire, à ma grande surprise, j'ai compris qu'il était farouchement opposé, puisqu'il me parlait très peu. Et donc, naturellement, quand j'ai été élu par mes pairs, eh bien, il a pris ses distances, il ne m'a plus adressé la parole parce que j'avais volé son fauteuil, j'ai envie de dire. Ouais. Les Saint-Trois, dans cette affaire, comment est-ce qu'ils se positionnent? Comment est-ce qu'ils gèrent cette situation? Aujourd'hui, il y a plus de candidats que d'habitude, alors 5 apparemment. Est-ce que ça fait beaucoup pour une petite commune comme les Saintes? Oui. Oui, bonsoir aux auditeurs de la Guadeloupe. Et un peu comme mon ami Louli, je dirais singulièrement aux Saintois, et notamment de Terre de Haut, mais plus largement les Saintes. Donc j'apprends aujourd'hui les motivations qui ont poussé mon ami Louli à être sur la liste de Molinier en 2014. J'ai du mal à comprendre, avant peut-être de répondre à votre question sur le nombre, la multitude de candidats. Il a dit qu'on a fortement, en ma personne, mais aussi l'équipe que je représentais en 2014, fortement décrié M. Molinier avec, à juste titre, sur un déficit énorme. Donc, ça voulait dire qu'on avait raison. Il était où il est encore mon ami. Il a eu l'occasion de participer avec moi pendant 2 fois, en 89 et en 2001, sur des élections. Je l'ai vu avant les élections, c'est-à-dire en 2013. Il est venu me voir, me faire savoir qu'il allait sur la liste de Molinier parce que Molinier l'avait sollicité. Molinier n'était ni son parti, ni son ami. Moi, j'étais son ami, je suis encore son ami, c'est ce qu'il a dit, je le conçois et je l'admets, moi-même, c'est comme ça que je le considère. Donc, vous avez un ami, il a un argument qui est béton que vous reconnaissez aujourd'hui, et vous y allez avec l'autre. Je pense que l'explication est un peu simple. Je pense qu'il y a d'autres raisons. D'ailleurs, il me l'a dit à l'époque. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce truc-là, mais moi, je suis pour en parler vrai, et je ne suis pas là pour la langue de bois. Et c'est vrai, on aura du mal à comprendre ça. Donc la population des Saintes aura la possibilité d'analyser cette contradiction qui peut se révéler. Maintenant, sur votre question à savoir pourquoi il y a autant de candidats, j'ai eu l'occasion de le dire à cette même table il y a quelque temps, parce que j'entends ici et là que la situation s'est apaisée. Donc on peut croire que l'apaisement de la situation a créé ou crée une démocratie décomplexée, ouverte, et ça crée autant de candidats, ce qui est une bonne chose. Maintenant, après, est-ce que tout le monde ira jusqu'au bout? On connaît les difficultés d'être candidat sur un petit territoire. Je crois que Louli a déjà eu l'occasion de le dire sur d'autres plateaux aussi. Bah, pourquoi la situation est apaisée? C'est personne. Ou sinon, c'est tout le monde et singulièrement l'opposition. Depuis, nous avons une commune, l'île de Terre de Haut, je dirais gérée depuis 1977, depuis plus de 40 ans, avec les deux anciens maires que vous avez cités tout à l'heure, notamment Louis Molinier et Louli Joyeux, qui ont géré cette commune, et Louli Bonbon depuis 2 ans. Commune mal gérée, depuis 1992 en déficit chronique, encore aujourd'hui. Commune gérée, navigation à vue, avec par moments des aveugles, voire des bognes. Donc avec tous les risques de s'échouer, voire de tomber en panne, ce qui arrive régulièrement. Je crois aujourd'hui ça n'a pas changé, et je l'ai déjà dit aussi par ailleurs, même si la situation budgétaire s'est améliorée, je pense qu'on en viendra dessus. Faut-il encore que ça soit réel, pour ne pas employer un autre mot, mais on est là pour débattre, pour éclairer, pour clarifier, d'autant plus que ça devait théoriquement se passer dans une ambiance sereine. Vous l'avez dit au départ, nous sommes sereins, nous ne sommes pas excités, donc je crois que c'est une première pour Terre de Haut. Alors justement, et je vais revenir à vous et on chemine ensemble, vous avez dit que la commune était en difficulté depuis tantôt. Ça fait 2 ans que Louli Bonbon, vous êtes au pouvoir. Alors
pour aller dans l'interrogation d'Hilaire Brudé, en 2 ans, comment avez-vous trouvé, en tout cas financièrement, socialement, comment avez-vous trouvé cette commune? Et aujourd'hui, après 2 ans, où en est-on? Alors, en quelques chiffres. Lorsque je suis arrivé en 2018 aux commandes, nous avions le compte administratif de 2017 qui présentait, qui affichait donc un déficit de près de 4,6 millions, comme l'atteste le rapport de la Chambre régionale des comptes, puisque nous sommes sous tutelle donc de la préfecture. Et donc, c'est la Chambre régionale des comptes et le préfet qui règlent le budget de la collectivité de Terre de Haut. Comme je vous l'ai dit en préambule, je me fais fort de corriger le tir, et ça a été l'objectif premier que nous nous sommes fixés avec mes colistiers, c'est le rétablissement donc de l'équilibre budgétaire de la collectivité. Quoi que on veuille faire pour notre commune, il faut absolument que nous passions par cette étape obligatoire qu'est le retour à l'équilibre. En 2018, tout de suite, nous avons engagé, nous avons mis en place une rigueur budgétaire de façon à rester premièrement dans les montants qui étaient affichés par chapitre par la CRC. Vous savez, lorsque nous avons le poste 012 qui concerne les charges du personnel et qui représente 70% de votre budget, 70% de notre budget, il ne reste quasiment que le poste des charges à caractère général sur lequel on peut agir. Alors, est-ce qu'il y a eu trop d'embauches ou est-ce que le personnel communal est surrémunéré? Non, je viendrai sur, si vous voulez, sur l'aspect social et rémunération du personnel dans un second temps, parce que ça a été aussi un axe majeur de mon travail pendant ces 2 années. Mais certes, si on compare par rapport à d'autres communes de même strate, si je prends notre île voisine de Terre-de-Bas ou la commune de la Désirade ou de Vieux-Fort, par exemple, nous avons effectivement un effectif pléthorique en comparaison avec ces communes de même strate. Donc oui, j'avoue qu'il y a eu beaucoup d'embauches au sein de cette collectivité. Alors, est-ce qu'il y avait un vrai besoin ou... Pour l'instant, je dis que la question n'est pas là. Aujourd'hui, nous sommes face à un personnel qui est en place, un personnel qui, de toutes les manières, a été très mal géré socialement, parce que c'est beaucoup de temps partiel, des gens qui sont titulaires, mais à très peu d'heures et qui, arrivés à l'âge de la retraite, n'obtiendraient quasiment rien comme rente eu égard à leur situation pendant des décennies. Mais c'est une situation que j'ai trouvée et que j'essaye, autant que faire possible, de corriger. Mais pour revenir aux chiffres, c'est important. Lorsque nous avons voté notre budget de 2018, à mon arrivée, nous avons prévu 3,8 millions en dépenses de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle les autorisations budgétaires. 3,8 millions en fonctionnement. En réalisé en fin 2018, nous avons réalisé 2,6 millions ou 2,7 millions. Ça veut dire que substantiellement, nous avons montré qu'on avait la possibilité de mieux faire par rapport aux années antérieures. Donc nous avons déjà fait une économie sur les dépenses
Et à contrario, nous avons eu aussi des recettes exceptionnelles. Donc on a dégagé sur le résultat de clôture de 2018 près d'1,8 million d'excédents. C'était une première. Alors, vous avez dit, nous avons eu des recettes exceptionnelles. Quelles sont ces recettes? Alors, les recettes sont essentiellement issues, bien entendu, de la fiscalité locale, l'octroi de mer et la taxe sur les carburants. Ce sont les principales ressources de la collectivité. Nous avons eu également près de 700 000 euros qui ont été versés à la collectivité de Terre-de-Haut suite au cyclone Maria. D'accord. Alors, je voudrais juste compléter quand même très rapidement pour dire qu'en 2019, pour la première fois, effectivement, depuis des décennies, nous avons pu, sur le résultat excédentaire que nous avons eu, équilibrer et injecter de l'argent en investissement, équilibrer le budget de fonctionnement en injectant 100 000 euros et voter le budget de fonctionnement en équilibre, ce qui ne s'était jamais fait depuis des années et des années, et 1,4 million que nous avons injecté en investissement. Alors, donc, en investissement, donnez-nous quelques exemples d'investissement. Non, je vous dis, pour combler le déficit d'investissement, oui, nous avons fait passer 1,4 million pour réduire justement le déficit substantiellement. Mais vous n'avez pas eu à investir pendant les 2 ans. Non, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mmh. Mais c'est dire que j'ai donné le « là », d'accord. Et j'ai montré que déjà en 2018, sur une année, on pouvait déjà corriger les choses et penser à rétablir l'équilibre financier de Terre-de-Haut bien avant, bien avant la trajectoire proposée par la CRC. Merci. Ilia Boudé. Vous savez, quand un candidat se présente devant la population, quand il a un bilan, c'est normal qu'il puisse présenter son bilan, en plus il le présente positif. On joue sur ça, voire même on surjoue. J'ai écouté mon ami. Il l'a dit dernièrement sur un média concurrent. C'est une commune qui a très peu de marge. Aujourd'hui, qu'est-ce que la commune de Terre-de-Haut dans un exercice normal a comme recette et comme dépense? Quelque chose près comme recette, ça peut varier entre 3,2 millions et 3,3 millions de recettes de fonctionnement. Et en termes de dépenses, 2,9 millions, 3 millions, 3,1 millions au maximum, avec les recommandations notamment de la Chambre régionale des comptes. Donc, difficile de faire l'impasse. Donc, ça voudrait dire, dans un exercice normal, on est capable de dégager une épargne brute, donc la différence entre la recette de fonctionnement et les dépenses, 200 voire 300 000 euros. Il parle aujourd'hui de recettes exceptionnelles. Quelles sont les recettes exceptionnelles? Il y a quelques erreurs. Les recettes exceptionnelles, ce n'est pas près de 700 000 qu'on a reçu pour les assurances, on a reçu près de 800 000, 785 000 exactement, de mémoire, sur une estimation de plus de 1 million. Donc le reste, on doit pouvoir le recevoir en solde si nous faisons les travaux. Nous, la commune, je parle. Des recettes très bien pour la commune. Aujourd'hui, dans le chiffre, il est dit qu'on a 1,3 million de déficit, voire même la Chambre régionale des comptes nous autorise éventuellement à faire un prêt. Mais entre 2 ans, quand vous n'avez que des recettes, et des recettes exceptionnelles, en plus des recettes normales. Vous avez des recettes exceptionnelles. L'impôt n'a pas augmenté, théoriquement, il est déjà au maximum, on en parlera certainement tout à l'heure. L'octroi de mer, effectivement, a augmenté, notamment l'octroi de mer complémentaire, c'est-à-dire les 200 000 euros qu'on nous donne régulièrement, le FAC par le Conseil général, effectivement, quelques taxes locales, la taxe portuaire, un certain nombre de choses ont créé, voire des ventes de terrain, ont créé une certaine recette. Mais entre-temps, il n'y a pas eu de dépenses du tout, pas un euro d'investi. Si, peut-être, pour la Noël dernièrement, les fêtes de fin d'année, 10 000 euros de luminaires, 25 000 euros pour le plan de circulation, entre-temps rien, 10 000 euros sur la mairie de Terre-de-Haut, 10 000 euros sur la maison des jeunes. Quand on a perçu 800 000 euros, cet argent-là, on l'a fait rentrer sans dépenser. Donc des recettes réelles, bien réelles, mais en contrepartie, on a différé les dépenses. Et les dépenses, il faudra les avoir après, parce qu'il faut investir. Le patrimoine est à volo. Alors, est-ce qu'il s'agissait de redresser? On peut toujours redresser si on ne fait rien. C'est-à-dire aujourd'hui, on a l'impression qu'on a redressé, parce qu'en termes d'affichage, on en a moins, mais les investissements sont là, à venir, sont là. Par ailleurs, au-delà de cela,
il y a eu un procès qui était en cours depuis l'époque de Molinier, sous la commande d'un bateau électrique qui devait construire en Turquie, que tout le monde sait, et dont il y avait un litige entre la commune et le constructeur. Ce procès-là aboutit à une victoire, je dirais, de la mairie, qui fait que les prévisions ou les provisions qu'on avait mis de côté, la Chambre régionale des comptes a effacé, les deux cumulés pour à peu près 1,1 million. Donc plus de 800 000, plus les fonds de secours que l'État a donné, qui, je crois, étaient de 80% de 49 000 euros, 50 000 euros. Donc en gros, ces deux-là faisaient déjà près de 2 millions. Et c'est lui-même qui le démonte, et je vais vous dire tout à l'heure. Et de l'autre côté, préalablement en 2017, la région avait donné des financements sur des projets déjà financés et pour un des deux projets fini à 100%, l'autre à 80%. Ça voudrait dire, même là, il y avait un double financement, ce que la loi interdit. C'est très bien pour la commune, ça réduit. Mais le problème, c'est que c'est illégal. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui, pas ce problème-là, mais c'est ce qui a fait que Molinier lui-même, par la non-légalité des choses, a été démis de ses fonctions. Ça voudrait dire aujourd'hui, pendant 2 ans, on a fait... C'est très bien, mais il a essayé de réparer les erreurs passées, parce qu'il l'a dit lui-même, en 2014, il y avait un gros déficit, et il est venu sur une liste qui avait déjà un déficit, contre son propre ami. Donc ça voudrait dire qu'il a essayé de réparer, mais on répare quoi? On a utilisé à boucher des trous, donc c'est le moins qu'on pouvait faire, et même dans ce cas-là, on pouvait faire mieux. Ça voudrait dire que dans un exercice, un fonctionnement normal, la commune ne doit dégager que 300 000. Ça voudrait dire l'effort de mon ami Louli dans la réduction du déficit, dans un exercice normal, ne peut être au maximum que de 600 000 euros, 2 fois 300 000 euros, sans investissement. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas eu un euro d'investissement, notamment sur des fonds propres, en dehors de ce que j'ai cité tout à l'heure. Alors justement, et je termine, parce justement, que ça vaut son cacahuète. Justement. Pour vous dire, et pour terminer sur ce débat-là, en tout cas sur cette partie des choses, pour vous dire que même en ayant cet argent-là de la part de la région, y compris aujourd'hui la route Théodore-Samson, les Saint-Trois de Théodore comprendront, ou la route de Pensuc qui doit faire plus de 500 000 euros, et aujourd'hui avec des avenants peut-être 800 000 euros, c'est des fonds régionaux sur des routes communales. Très bien, mais je suis bien content pour les Saint-Trois. Le conseil général pour la route de Grand-Anse qui va vers l'aéroport, à partir de cela, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il a peut-être amélioré, il n'a pas laissé filer le déficit. Il a certainement l'amélioré, mais pas sortir de 4,6 millions et arriver à 1,3 million et dire que moi, mon équipe, nous avons réduit le déficit parce que c'était l'objectif. On ne pouvait pas faire différemment. On aurait pu même faire mieux la région, et je termine, justement, à l'époque de Victorin Luel, on a signé un CDDT avec la commune de Terre-de-Haut qui était de 3,2 millions en 5 ans. Justement, en 5 ans, on nous a donné 1,5 million. Rapidement, puisque le temps file. Alors, vous dites, bon, il n'y a pas eu d'investissement. Si vous êtes élu à la tête de cette commune, quelles seront vos priorités, rapidement? Ma priorité, c'est déjà l'apaisement que nous avons fait par la disparition et l'élimination par la démission des fils de M. Molinier. C'est l'opposition qui a ramené cet apaisement, par la suppression d'un homme de guerre à la tête de la commune, qui n'est pas le cas de mon ami Louli, par le fait aussi que l'opposition a joué très au-delà de ses fonctions, le jeu dans les conseils à donner au conseil municipal, même si on a été très peu étendu, et par la population de demander de dire, d'ailleurs c'est l'intitulé de notre liste, depuis 2001, dont mon ami Louli était sous la liste, nous sommes dans tous pour un meilleur vie, c'est-à-dire à l'époque nous on avait ça, vivre et construire ensemble, aujourd'hui c'est tous unis pour un mieux vivre ensemble. Quel est le problème? Le problème c'est la démocratie. C'est l'équilibre budgétaire, c'est tisser le lien social, c'est développer un pays, ce qu'on n'a jamais fait de manière durable. Et comment le faire? Comment le faire si aujourd'hui ça change? C'est-à-dire aujourd'hui nous savons, et il l'a dit tout à l'heure, entre Désirade, Terre de Bas, Terre d'Euro, nous sommes la commune la plus imposée avec une taxe d'habitation de 32,77, avec une taxe foncière de 41,69, et aujourd'hui depuis 92, depuis le premier déficit, on a payé. D'ailleurs, beaucoup de Saint-Trois sont dans l'incapacité de payer, heureusement encore, que la taxe d'habitation. Ma proposition, c'est faire bénéficier la population et les fonctionnaires, parce que le régime indemnitaire n'est pas appliqué à ce jour, et la population de dire, voilà, au-delà du fait que nous allons baisser les impôts, pas sur la taxe d'habitation, parce qu'elle risque de disparaître, donc ce n'est pas la peine, pour avoir une meilleure compensation, il faut la garder. Par contre, la taxe foncière, qui est de 41,60, donc il est 2 fois plus important que les communes de même strate, nous voulons le ramener à 35%. Ça voulait dire qu'il y a une perte de recettes.
à peu près de 90 000 euros. Et ça sera compensé par, éventuellement, la taxe portuaire qui est augmentée pour les touristes, notamment, d'autres subventions, mais surtout par le fait que moi, il est obligé. Je m'engage à ne pas avoir d'indemnité. Et ce qui correspond à peu près à 25 000 euros chargés pendant l'année, c'est ma contribution tout au long d'une mandature. Ce que j'avais demandé à mon ami Louli en 2018, quand il est arrivé, en disant, voilà, vous avez ponctionné, vous avez spolié quelque part la population, redonnez ça, participez à l'effort que vous avez mis. Aujourd'hui, donc pendant toute la mandature, vous avez toute la mandature. Aujourd'hui, on aurait dû parler pas simplement de rattrapage, on aurait dû parler de bonheur dans un pays qui a beaucoup de potentiel. Merci, dans une île où tout le monde veut vivre et correctement. Voilà, c'est merci. Ça. Merci. Louli Bonbon, alors, pour vous, quelles seront les priorités? Est-ce que vous irez dans une continuité? Et sur quoi pouvez-vous vous engager face à votre population? Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élu, réélu, je dirais, sur la prochaine mandature? Oui, mais avant d'y répondre, juste pour porter quand même une rectification sur les propos chiffrés de mon camarade Hilaire, il a parlé de 3,3 millions au plus de recettes de la collectivité. Je rappelle simplement que, chiffre à l'appui, nous avons réalisé 4,5 millions de recettes en 2018. Donc, c'est plus d'un million deux de différence par rapport à ce que tu dis. Donc, c'est exceptionnel. Non, pour te dire que nous avons une possibilité bien supérieure à ce que tu dis. Et ça a été d'ailleurs, juste pour fermer la parenthèse, ça a été d'ailleurs un des points. J'ai les recettes de 2019, là. Mais je te parle de 2018, si tu les as, et regarde, il y a 4,5 millions de recettes en réalisé. On a 800 000 euros de non, mais c'était simplement, pour te dire, quand tu parles de 3,3 millions et 4,5 millions, ça fait 1,2 million, c'est non, pas négligeable pour une petite général, commune comme la nôtre. Je ne parle pas de des exercices exceptionnels, bref, je l'ai dit. Laisse-moi finir. C'est ça le problème avec toi. C'est ça le problème avec toi. Et à chaque fois au conseil municipal, on se heurte à ça. Je t'ai laissé parler. Je savais que ça allait venir. Mais c'est ça le débat. Le débat, normalement, c'est qu'on peut interpeller. Elle a dit, on peut interpeller le collègue en face. Mais on va écouter, monsieur. Je crois qu'il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la sagesse d'écouter, d'accord, ton interlocuteur. Et c'est en gros ce que je te reproche, tu le sais bien. Donc je disais que c'est pas 3,3 millions, c'est 4,5 millions. Ça c'est pour la. Je ferme la parenthèse et je vais arriver sur la question de Madame Boissé. Ce retour à l'équilibre, parce que là aussi, et je tiens à le dire pour clôturer, s'il le faut, le chapitre budgétaire, nous avons fini l'année 2019. L'exercice est clôturé. Et en projection, si la Chambre régionale des comptes nous a arrêté nos comptes à 1,2 million de déficit, 1,286 000 très exactement, nous irons aujourd'hui et nous aurons au compte administratif de 2019 un déficit qui ne dépassera pas les 1 million. Donc, c'est encore une étape de franchie dans le retour à l'équilibre de Terre de Haut. Si, effectivement, cet équilibre et ce retour à l'équilibre est possible dans très peu de temps, il faut savoir que la situation reste très fragile. Et ça, je ne veux pas le crier sur les toits, comme tu le disais tout à l'heure là, et je ne veux pas surenchérir là-dessus, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes face à des revendications fortes d'indemnisation du CIVAD et du SIAG, parce que là aussi, le départ de Terre de Haut vers la communauté d'agglos du Sud-Basse-Terre, avec le transfert des compétences eau, assainissement et environnement, tout ce qui est gestion des déchets, ben, tout ce retrait de Terre de Haut du SIAG et du CIVAD n'a pas été traité correctement en ce qui concerne l'actif et le passif. Donc nous avons aujourd'hui des sommes exorbitantes qui nous sont réclamées et que, in fine, il faudra de toutes les manières intégrer au budget. Je crois que le CIVAD nous réclame près de 500 000 euros et le SIAG, le préfet, a arrêté à environ 900 000 euros à régler au SIAG. Donc, tous ces éléments sont très importants et vont impacter de toutes les manières notre futur budget. Donc tout ça pour dire que même si on est dans une bonne trajectoire avec un retour possible à l'équilibre dans pas longtemps, il faudra néanmoins intégrer de nouvelles contraintes financières qui vont venir plomber un petit peu notre démarche. Maintenant, si
pour revenir à votre question, à Terre de Haut, aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a à rebâtir Terre de Haut. Nous avons, même si ça et là, il y a quelques travaux de réfection de la voirie qui est faite, il faut se dire que le travail est encore très important à réaliser à ce niveau-là, parce que nous avons un réseau routier qui est effectivement très malade. Nous avons des infrastructures qui sont dans un état de délabrement. Nous avons un réseau d'assainissement qui est défectueux par faute justement d'entretien, même si on voudrait bien, mais c'est une compétence qui est dévolue à l'agglo. Et nous savons malheureusement quelle est la situation du Grand Sud Caraïbe dans laquelle nous sommes. Donc ça aussi, c'est des questions qui me préoccupent. Au niveau de l'environnement, nous sommes sur un petit territoire avec peu d'espace, une petite déchetterie, fort heureusement. Là aussi, le président Chalus nous a intégrés dans le plan de rénovation des 11 déchetteries que la région mène sur le département. Mais c'est un enjeu environnemental qui m'interpelle et qui me préoccupe au premier plan. C'est la gestion des déchets, c'est la qualité de l'eau potable, c'est également les nuisances qui sont générées par cette intensification de la circulation à Terre de Haut, où les piétons aujourd'hui ne se sentent plus en sécurité, où on a, au pied levé, on a dû effectivement s'attaquer à cette question-là en réfléchissant sur un nouveau plan de circulation à mettre en œuvre. Donc trop de véhicules. Trop de véhicules. N'oubliez pas que dans notre commune, toutes les constructions sont en bordure de route et donc c'est la qualité de l'air avec ces moteurs thermiques qui nuisent à la santé de nos populations. Voilà, c'est autant de choses. Dans le domaine de la santé, nous avons un gros problème également de couverture santé. C'est, il y a un médecin à Terre de Haut. Il y a bien même deux médecins à Terre de Haut, même si un se partage son emploi du temps entre Terre de Haut et Terre de Bas. Mais il ne reste pas moins que le week-end, nous recevons des milliers de touristes et donc on n'a parfois pas de médecin sur l'île le week-end. C'est régulièrement les sapeurs-pompiers qui font office de tampons. De tampons. Oui, parfois, plus tard qu'il y a 8 jours ou 10 jours, eh bien, il y a une femme enceinte qui a commencé à perdre ses os et le SAMU a demandé aux pompiers de la garder, de s'en occuper. Donc voilà, on est dans des situations parfois assez ubuesques, mais c'est une difficulté réelle. Alors, il est roulé deux mots, puisqu'il va falloir qu'on puisse avancer. Il nous reste très peu de temps, vraiment. Non, mais en fait, mon collègue est en train de me donner raison, et je vais m'arrêter pas si loin que ça, bon, au-delà de la correction qu'il a apportée sur un exercice exceptionnel. Donc, il me dit que je l'empêche de parler. Je crois que non, disons, ne l'est pas. Il m'a interpellé. D'ailleurs, vous avez dit même, à un moment donné, il y a une question, mais on peut s'interpeller tout en se respectant. Donc, il ne faut pas jouer ni sur ou jouer sur ça. Quel est le problème? Et c'est ce que je dis. Il ne dit pas la vérité, ou tout au moins, il dit ce qui l'arrange, en disant, voilà, moi, mon but était de réduire le déficit. Je l'ai réduit, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre comme recette, j'ai fait rentrer, aucun investissement, d'ailleurs il n'a même pas payé la SEM Saint-Marc, il doit à peu près 900 000 euros, il va me dire tout à l'heure, ce n'est pas vrai. Et entre-temps, la population n'a rien vu venir et dit voilà, mais maintenant il y a beaucoup d'investissements à faire, il y a plein de choses à faire, donc les années à venir nous aurons plein, mais tout le monde, ça c'est un constat qu'on partage. Donc il a préparé un budget en ramassant toutes les recettes et il en a eu, et d'exceptionnel, et pour dire je viens devant vous, quasiment blanc comme coco. Donc, j'ai fait 4 ans peut-être de bêtises, j'ai rattrapé 2 ans, j'ai rattrapé, et maintenant, les souffrances vont arriver plus tard. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'on soit... Et ça, ce n'est pas la vérité. Quand on fait du maquillage, même officiel, ça reste un mensonge, parce qu'en réalité, on fait croire qu'on a de l'argent, et on n'en a pas, d'autant plus que toi-même, tu viens de le dire, c'est fragile, on a 200, 300 000 euros, c'est toi qui l'as dit avant-hier, j'ai les chiffres aujourd'hui. Merci. Donc, il faut déjà qu'on soit clair pour ne pas faire de l'électoralisme à tout va. Merci. Maintenant, nous sommes là pour clarifier, voilà. Merci. Louis Moreau, vous voulez réagir à ce qui a été dit Oui, je dirais simplement là encore qu'il est dans son style habituel. Et quand il dit que je fais du maquillage, il n'y a pas plus transparent que moi. Donc je ne fais pas de maquillage. On a fait le choix, mon équipe et moi, on a fait le choix de ne pas investir pour l'instant, parce que notre priorité est d'enfin voter un budget en équilibre et de pouvoir
pourquoi pas, eh bien, solliciter un emprunt et retrouver du souffle. Je pense qu'une rigueur budgétaire s'imposait. Et oui, effectivement, Terre de Haut était au point mort pendant 4 ans. Pendant 2 ans, nous avons eu quand même le parc éclairage public qui a été revu et corrigé dans le cadre d'un contrat de performance énergétique entièrement. D'accord. Nous avons, engagé avec l'aide régionale, effectivement, la réfection des voiries. Nous avons, à la demande des marins pêcheurs, lancé donc, des études concernant l'extension du ponton des pêcheurs pour lequel la commune de Terre de Haut apporte les 20%. C'est quand même une enveloppe budgétaire de 250 000 euros sur laquelle on apporte 20%. Sur la rénovation de la maison des bateaux, le bateau des îles, qui est appelé à devenir le bateau des arts pour justement combattre le désert culturel qui est devenu Terre de Haut depuis de nombreuses années, là aussi, c'est un projet d'envergure qui coûte 1 million d'euros en coût d'objectif. Et sur 1 million d'euros, nous apportons 170 000 euros, les fonds qui ont été dédiés de l'assurance. Donc nous allons certainement, avec prudence, nous allons doucement, mais sûrement, dans la reconstruction de Terre de Haut. Je ne dis pas que c'est beaucoup, je dis simplement que c'est un premier geste. Merci. Alors maintenant, Hilaire Brudet, vous avez la possibilité de poser une question au maire sortant, Louli Bonbon. C'est une question flash, donc la question que vous souhaitez. Oui, je l'ai appris au début d'émission, j'aurais pu poser plusieurs questions. Mais j'aurais pu avoir plusieurs questions en tête. Il y a une seule qui me vient en tête. On a perçu 800 000 euros d'assurance. Il y a une souffrance telle au niveau des pêcheurs aujourd'hui, notamment on a eu l'occasion de faire une réunion à la mairie pour faire les réparations du quai de Morel. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de carburant en Seine depuis 2 ans. Depuis 2 ans, on n'a pas fait une commande d'un euro pour réparer ce qui a été détruit. Ponton, dont la commune a la gestion, sur ces 800 000 euros, parce qu'on a identifié plus de 11 sites pour faire rembourser cette argent. On aurait pu prendre les 200 000 ou 250 000 euros pour au moins réparer ce problème. Le problème, c'est que toute la population, les pêcheurs singulièrement, vont faire de l'essence à Terre de Bas. Et aujourd'hui, Terre de Bas n'a pas suffisamment pour Terre de Haut. Ils sont obligés d'aller à Trois-Rivières. Ouais, ça, c'est une souffrance terrible. Et je suis interpellé tout le temps. Et d'ailleurs, vous-même, toi-même, Louli, tu as eu l'occasion de dire... C'est la question flash. Oui, j'ai fini. C'est la même question. Chaque fois qu'on te pose la question, pourquoi tu ne l'as pas fait? Mais quand il est OK, mais il est fait avec vous autres. Enfin, il faut se défausser. Tu l'as déjà dit, même devant moi. Bien. Alors, la réponse... Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Et vous voyez, le fonctionnement d'Hilaire, aujourd'hui, en me posant cette question, me fait penser à mon prédécesseur. Moi, je suis un technicien à la base. C'est mon ami. Non, mais je réponds. Je suis un technicien à la base. Et avant de se lancer dans des travaux comme il me propose de faire, de prendre 200 000 euros, 300 000 euros, voire 800 000 euros pour pouvoir réparer le quai Morel, avec la collectivité régionale, nous avons lancé des études avec le groupe Suez Consulting. D'accord ? Suez Consulting, et qui est représenté ici par sa filiale Safej. D'accord ? Nous avons eu les conclusions, il y a à peu près 2 semaines, les conclusions de Suez Consulting. Non, mais ce n'est pas rien. D'accord ? Et quand on regarde les études qui sont faites, de façon à sécuriser et à pérenniser surtout la réparation de l'ouvrage. Car faut-il le rappeler, tu oublies que ce quai a déjà été démonté près de 4 ou 5 fois à chaque phénomène cyclonique. Donc en mettant à chaque fois des rustines, ça sert à rien. Et aujourd'hui, 3 scénarios sont possibles pour pouvoir réparer le quai Morel. Le premier scénario qui coûte le moins cher, qui consiste simplement en des travaux d'urgence, d'accord ? C'est 2 millions d'euros. Si on veut rajouter un enrochement sur la partie nord de l'ouvrage pour protéger justement de la houle cet ouvrage, nous passons à 9 millions d'euros. Non, alors, pas jamais, alors. Si... Donc, penses-tu, et c'est la réponse que je vais t'apporter, penses-tu que c'est avec 200 000 euros, 300 000 euros qu'on va injecter
sur Morel pour que ça ne tienne pas en quelques mois. Non, Hilaire, ce n'est pas la bonne méthode et c'est celle que j'ai choisie, c'est-à-dire de m'entourer. Tu as choisi. Oui, avec. Avec la région, évidemment, puisque ce n'est pas moi qui finance. Mais nous avons. Mais c'est la région qui finance les études. Donc nous avons décidé de prendre des précautions et de vérifier avec les ingénieurs comment sécuriser l'ouvrage en question. À telle enseigne que, vu les coûts, nous sommes aujourd'hui dans la réflexion de voir comment réparer le quai sud qui existe et qui est davantage protégé par la houle pour pouvoir permettre justement le déblocage de la situation à Morel. Donc toutes les solutions. Des études qui coûtent très cher, sache aussi que ça ne s'arrête pas au volet technique. Il y a tout un volet impact environnemental et réglementaire, de loi sur l'eau, au cas par cas, d'études d'impact qu'il faut obligatoirement aussi passer. Merci. Louli Bonbon, vous avez la possibilité de poser une question à Hilaire Baudet. Alors, je n'étais pas non plus préparé à la question flash, mais je me rappelle en 2018. Quand mon prédécesseur est tombé et que mes colistiers m'ont élu, tu as crié au scandale en disant que ce n'était pas seulement la tête de liste qui était entre guillemets véreux, mais c'était tous les conseillers qui étaient en fait complices de cette situation et qui devaient être discrédités complètement aux yeux de la population, et que le seul candidat qui avait la légitimité pour pouvoir reprendre les rênes de Terre de Haut, c'était toi. Or, 2 ans après, justement, j'apprends que, par mes camarades, que tu les sollicites tous pour être sur ta liste. Alors, la question, pourquoi, il y a 2 ans, il fallait vraiment les discréditer, tous les rendre complices d'une situation exécrable, et qu'aujourd'hui tu souhaites les avoir sur ta liste? Mais je suis aise de te répondre, mon cher ami. Tu as été le premier que j'ai sollicité. Je sais. D'accord. Donc tu sais, et entre parenthèses, quand tu dis tous, tu exagères comme d'habitude. C'est ton style. Tu as l'air de donner, de faire afficher, mais sournoisement tu fais les choses bien pire que notre ami Molinier. Mais pour autant, je suis aise de te répondre, il n'y a aucun problème là-dessus. Je l'ai dit, je le répète. Quand aujourd'hui tu parles, tu dis « moi et mon équipe ». Moi, je parle d'équipe d'une manière générale, donc ça voulait dire « Molinier disait la même chose ». Je viens de dire préalablement, tu connaissais la situation de Molinier, dans sa gestion et intérieurement. Tu n'as pas été et tu n'as jamais été l'ami de Molinier, tu l'as dit. Et tu n'as jamais donné les vraies raisons de ton ralliement à Molinier. Je le sais, j'aurais aimé que tu le dises à la population, ce que tu n'as jamais estimé devoir faire. Maintenant, j'ai sollicité 3 ou 4 de tes colistiers, on va dire ça, jusqu'ici, qui ont plus ou moins répondu. Non, pas tous. Premièrement, mais c'est à toi qu'on devait te poser la question. Pourquoi aucun ne vient avec toi aujourd'hui? Aucun des élus qui constituent ta majorité n'est sur ta liste prochaine, parce qu'ils ont tous refusé. Et ils sont venus me dire qu'ils ont refusé. Donc oui, il y aura peut-être une chance qu'il y ait des colistiers de ta majorité sur moi. Parce que moi, j'appelle à l'union, je vais toujours. Ce que tu n'as pas fait et ce que tu ne fais pas, ce que tu avais peut-être l'obligation de faire par rapport à la situation que Molinier a créée, et d'ailleurs nous tous, y compris moi-même. Je n'ai peut-être pas changé depuis 1989, mais je ne suis peut-être pas le même. L'expérience, la sagesse fait que... Par contre, à l'inverse, quand je t'ai eu, même pendant les déboires de Molinier, c'est encore moi qui ai fait la démarche en venant vers toi, en te disant, Louli, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as dit, je ne suis pas dans les petits papiers de Molinier. Et que moi, je vais bien, mais de toute façon, tu es préparé pour les élections et je ne peux pas te laisser venir prendre la place pour les 2 ans. Donc, tu vois bien, c'est une histoire de place. Et moi, c'est pour cette raison que je dis, je ne viens pas pour des indemnités. Je refuse à prendre des indemnités. Je m'engage pour moi, pas pour les futurs adjoints, si je suis avec mon équipe victorieux. Mais je m'engage pour moi, ce qui n'a pas été ton cas. Et jusqu'ici, et chaque fois que j'ai eu l'occasion de te parler, qu'est-ce que tu me dis? Ouais, je perds de l'argent. Je ne me suis pas précipité
d'aller vers la communauté d'Aglo pour dire ou être premier, être sixième vice-président, alors que tu sais, ça fonctionne pas. Merci. L'ancien maire, rien ne fonctionnait pas. Oui, il y aura certainement des élus et tu seras certainement étonné, mais c'est à toi de te poser la question, pourquoi une majorité t'a soutenu? Merci. Parce que tu as vendu autre chose à ces personnes qui sont bien déçues de toi. Merci. Non, mais si la question est déposée, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de retour. Non, théoriquement. Merci. Je ne rajoute rien puisque l'émission est terminée. On aura l'occasion à d'autres niveaux de clarifier les choses. Merci, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de suivre cette émission. Je sais que vous êtes nombreux à la regarder. Je pense qu'à Terre de Haut, vous avez eu l'occasion de regarder cette émission. Vous avez aussi eu la voix de la commune et je remercie tous ceux qui se sont exprimés puisque ça fait aussi partie de la démocratie. Et je rappelle que tous les candidats ont été invités sur ce plateau, sauf M. Olivier Deher qui s'est tardivement déclaré étant hors du département. Et ça, je veux le préciser pour que vous soyez au courant, puisque ici, il n'est pas question d'inviter certains, pas d'autres. Nous invitons tous les candidats et puis ensuite, libre à eux de venir ou pas. Merci et excellente soirée.